Il faut leur trouver un nom. Scooby-Doo. Pourquoi pas fromage? Éclair. Je sais, Jean Lafosse. Ah, c'est trop nul, Jean Lafosse. Mais tu sais c'est qui Jean Lafosse? C'est qui? C'est qui ce monsieur? Ben oui, c'est vrai, c'est qui celui-là? Jean Lafosse est né le 2 octobre 1745 à Paris. Il arrive à l'île Bourbon en 1775 à l'âge de 30 ans. Tout d'abord, il est vicaire de Saint-Paul, puis curé de Saint-Louis. Dans ce système esclavagiste, il veut faire appliquer les droits de l'homme, à savoir les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En 1790, le père Jean Lafosse est élu maire de Saint-Louis et député à l'Assemblée coloniale. Malheureusement, des tensions apparaissent entre les partisans de Jean Lafosse et les conservateurs qui refusent l'abolition de l'esclavage. Tu savais qu'il y avait un cimetière juste à côté du signe du golf? Non. Laurie, regarde, c'est le cimetière où Jean Lafosse est enterré. Ben on ira voir, tout à l'heure. Après l'école? D'accord. En 1802, il revient sur l'île. Il est affaibli, vieilli et malade. Il est à nouveau curé de Saint-Louis. Il meurt le 12 octobre 1820 à l'âge de 75 ans sans voir l'abolition de l'esclavage.